Alors, nous passons à l'épineuse question de l'engagement littéraire. C'est un thème transversal qu'on retrouve dans la littérature et ce thème sera présenté par M. Sami Niakou. Notre exposé est axé sur quatre points essentiels, à savoir l'essai et les définitions même de l'écrivain engagé, l'examen et quelques éléments paratextuels de l'œuvre, la dénonciation de certains abus perpétrés par les dominateurs allemands et les moyens de toute œuvre préconisés par l'écrivain. Commençons donc par laisser les définitions de l'écrivain engagé. Qu'entend-on par écrivain engagé? Il est difficile de donner une définition précise, objective et définitive de l'écrivain engagé dans la mesure où, d'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, d'un auteur à un autre, les conceptions varient. D'une manière générale, on peut toutefois dire d'un écrivain qu'il est engagé quand il exprime dans son œuvre des prises de position, quand il prend position ou parti pour une cause, quand son œuvre se présente comme une arme mise au service d'une cause. Est ainsi considéré comme un écrivain engagé tout auteur qui dénonce les injustices, qui affirme des convictions. Jean-Paul Sartre considère l'écrivain dans son célèbre ouvrage « Qu'est-ce que la littérature ?» comme celui qui transforme sa plume en épée et ses mots en pistolet chargé. Ceci étant, peut-on parler de David Banga Yumbang comme un écrivain engagé? Ngumba Jemia peut-elle être lue comme une œuvre engagée? Quelle cause les personnages défendent-ils? Quelles sont leurs armes de combat? Pour répondre à ces interrogations, il nous a semblé judicieux d'examiner soigneusement quelques éléments paratextuels de l'œuvre avant de toucher le fond même de l'ouvrage. Commençons par l'examen des éléments paratextuels de l'œuvre. Parmi les éléments paratextuels de l'œuvre ayant retenu notre attention figure au premier chef l'histoire du genre de l'œuvre, à savoir le genre théâtral. En effet, l'histoire du genre théâtral, en l'occurrence la tragédie, expose le dramaturge, plus que le romancier et le poète, à la persécution des dominateurs ou des hommes politiques dont il dévoile les abus à travers la mise en scène afin d'attirer vis-à-vis d'eux des regards critiques. On comprend dès lors que la dénonciation des atrocités commises par les Allemands au Cameroun en général et à Douala en particulier requiert de la part de David Banga Yumbang beaucoup d'abnégation, de courage moral et intellectuel, étant donné qu'elle peut être interprétée par certaines personnes comme un obstacle à la relation diplomatique entre le Cameroun et l'Allemagne. Aussi convient-il de noter ou les rappeler que le théâtre africain a largement contribué à la lutte pour les indépendances et l'émancipation de plusieurs pays du continent. Beaucoup de dramaturges contemporains ont pris soin de donner des exemples positifs pour le progrès de l'Afrique. C'est le cas, par exemple, du Sénégalais Cheikh Daho dans son œuvre intitulée « L'exil d'Albouri » où il présente son acteur principal, le roi Albouri, comme un modèle de lutte pour l'intérêt du peuple et non pour des avantages personnels, encore moins pour les appétits du pouvoir. David Banga Yumbang semble lui emboîter le pas quand on sait que les aspirations de son héros
se résume à la défense des intérêts du peuple camerounais. De ce fait, il apparaît clairement que le soir du genre théâtral, Panotel trahit sa volonté d'exprimer son militantisme contre l'exploitation de son pays par les étrangers. Au soir du genre, comme preuve de l'engagement de David Banga et Yoba, il faut ajouter les noms propres mentionnés au niveau du titre. Les noms propres que comporte le titre de l'œuvre et du Dolphe Douala Mangabel. Sans nous appesantir sur l'histoire de ce personnage, nous notons de lui qu'il est en réalité un héros de la lutte nationaliste ou anticoloniale. Il est pour l'auteur un personnage providentiel, au vu aussi surtout des efforts qu'il a entrepris pour libérer le Cameroun des griffes des Allemands, d'où l'hommage à lui rendu par l'auteur. Hormis les éléments paratextuels mentionnés, l'engagement de l'écrivain dans son œuvre se manifeste à travers la dénonciation de certains abus perpétrés par les dominateurs allemands. Mais les plus remarquables sont les arrestations arbitraires, les pratiques de la violence, de la politique raciste, d'une justice expéditive. Comment la politique raciste se manifeste dans l'œuvre par la volonté de puissance des Allemands, car ils cherchent et veulent à tout prix imposer leur suprématie aux autochtones. D'où ce propos du juge Nidemer adressé à Douala Manga. Comme le dit bien un proverbe de chez vous, un tronc d'arbre jeté à l'eau ne se transformera jamais en crocodile. Retenez bien ceci, vous êtes un noir, le dernier blanc vous est supérieur, acte 4, 7, 1. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les Camerounais ont été victimes de nombreuses injustices. Mais que propose l'auteur comme un moyen de combat? Le moyen de combat préconisé par l'auteur. Alors, pas d'assumer tout le problème, l'auteur à travers ses personnages semble donner quelques moyens de lutte non négligeables. De prime abord, l'auteur préconise le dialogue comme un moyen de résolution pacifique des conflits. C'est pour cela que son personnage, Bossedin, sera envoyé en Allemagne pour mettre sur la table de négociation les différents domaniales qui opposent le peuple douala à l'administration allemande locale. En plus, il faut cultiver l'esprit du patriotisme, de la fraternité et le culte du travail bien fait au peuple et surtout à la génération à venir. C'est ce qui apparaît d'ailleurs dans ce dernier conseil que Douala Mangabel donne à sa femme. Apprendre leur parents de ses enfants à aimer leur patrie plus que leur propre vie. Répète-leur sans cesse que quiconque trahit son pays sera frappé de malédiction, lui et toute sa progéniture. Fais naître en eux l'amour fraternel, l'amour du travail et le goût de l'effort. Fin de citation, acte 5. Il met également l'accent sur la solidarité, l'union du peuple camerounais dans la lutte contre les dominateurs, à savoir, c'est les recommandations de Douala Mangabel à Angobel. Ainsi, de rester unis et solidaires, c'est le moyen le plus sûr de tromper vos ennemis. Évitez les luttes intestines, sinon, les gens à qui vous avez offert l'hospitalité vous envahiront. Fin de citation. Tout compte fait, le parcours de Mbumba Gemia laisse apparaître nettement que l'auteur est un écrivain engagé. Son engagement se reconnaît à travers le choix du théâtre comme un genre littéraire, étant donné qu'il est destiné à toucher un large public. C'est par sa représentation. Et aussi, surtout à partir de son aptitude à mettre en œuvre toutes les injustices dont étaient victimes les Camerounais pendant l'occupation allemande. Son héros éponyme reste un exemple à suivre pour la jeunesse africaine en crise de repères, car son combat pour la défense de la patrie nous rappelle fort opportunément cette devise aimée par le président Kidnappé Thomas Sankara de Regretter Mémoire, je cite, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.
Otegon Chobalo, Mwa de Manga.